What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos du jeu Red Dead Redemption 2. Et oui les gens, Red Dead Redemption 2, à laquelle, attention, on se retrouve à un moment dans une chose un petit peu bête ici, mais c'est vrai que ça peut nous confirmer quelque chose d'autre, c'est-à-dire que le jeu n'a pas encore été confirmé par Rockstar, mais Rockstar ont confirmé qu'ils vont faire la suite du jeu Red Dead Redemption. Est-ce que vous avez un peu compris le sens? Non, il n'y a pas vraiment de sens en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros ils disent pas non, il n'y aura pas de Red Dead Redemption 2, par contre il y aura la suite de Red Dead Redemption. Donc en gros, il y aura Red Dead Redemption 2, ou alors peut-être qu'il s'appellera pas comme ça, il pourra s'appeler par exemple Le Retour. Non, je suis en train de déconner avec vous. Par exemple du style Rebellion, ou Red Dead Redemption is back par exemple. Vous savez, ça se fait d'ailleurs souvent sur les films ou les jeux des fois. Non, pas trop les jeux, plus les films, à laquelle on retrouve un peu des trucs un peu stupides finalement. Bon bref, après ça c'est mon avis, mais bon, bref, ça sera pas, à mon avis, ça sera pas un style, du style comme ça, c'est-à-dire soit ça sera Red Dead Redemption 2, ou alors un truc du style, ils vont rajouter un mot du style, par exemple, Rebellion, ou quelque chose comme ça, mais bon, ils vont pas mettre, par exemple, Le Retour, un truc comme ça. Non, quand même pas. Rockstar, ils vont pas faire ça, je l'espère, du moins. Alors aujourd'hui, c'est pour vous parler de spéculation, donc pour l'instant, en fait, on connaît que ça au niveau du jeu, mais c'est vrai qu'il y a des petits indices, par exemple, qu'on peut retrouver, je sais pas si vous avez joué au jeu Red Dead Redemption 2, à laquelle, bah, à la fin du jeu, on peut remarquer des petites choses qui peuvent finalement. Un peu, c'est un peu comme des easter eggs, ou alors c'est un peu, finalement ça peut nous donner des, voilà, ça donne en tout cas, c'est une sorte de petit message de Rockstar à laquelle on pourrait l'interpréter comme une sorte de, peut-être une version 2 du jeu à laquelle on retrouvera ces objets. Alors juste avant, est-ce que vous avez connu d'ailleurs le Red Dead Redemption, enfin non pas Red Dead, Red Dead Revolver, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est juste avant Red Dead Redemption, normalement ça devrait être le troisième volet là, mais ils vont l'appeler le deuxième volet, enfin, ou alors ils vont l'appeler par un autre nom. Est-ce que vous le saviez ou pas? Je sais pas du tout, mais c'est vrai qu'il a, il a beaucoup moins marché, et puis c'est plus Red Dead Redemption qui a vraiment bien marché, qui a, voilà, qui a eu eh bien à cette époque là hein, ça remonte d'ailleurs il y a pas mal d'années, à laquelle, bah, c'est vrai que ça a eu quand même un assez grand succès. Alors aujourd'hui c'est pour vous parler en fait de véhicules. Alors attention, il y en a qui vont me dire oh putain, qu'est-ce que tu nous chies. Non les gens, il y aura pas de Airbus par exemple, il y aura pas de Mercedes dans Red Dead Redemption. Non, je suis en train de déconner là, depuis 2-3 jours j'ai pas mal d'énergie. Non, il y aura, en tout cas il y aura pas de ce genre de véhicule, je suis d'accord avec vous, on est tous d'accord hein. Je parle pas de, voilà, on n'est pas dans l'industrialisation, enfin on n'est pas encore dans l'époque vraiment moderne, on est encore dans le fait de essayer de faire voler quelque chose quoi. Il n'y a même pas de siège. Donc alors juste avant, j'avais un petit truc à vous dire qui est à propos au niveau donc des véhicules. Par exemple, je vais vous parler d'avion. C'est-à-dire qu'on retrouve une sorte de parapente à la fin du jeu de Red Dead Redemption 2, si je dis pas de bêtises, à laquelle il y a une personne en fait, je sais pas pourquoi vous le parlez tout ça, et puis après le mec il saute avec sa parapente et puis il tombe, il s'écrase d'ailleurs, il meurt je crois. Mais on peut pas interagir avec la parapente, c'est-à-dire que le mec il saute tout ça, il meurt, mais on peut pas l'utiliser sa parapente. Enfin, c'est pas une parapente, ça s'appelle un brother plane. J'ai regardé un peu sur le net, en gros c'est à dire ce sont des sortes d'avions hein, des avions du passé, à laquelle, bah voilà, il n'y avait pas de siège tout ça. Je vous mettrai des images sur l'écran. C'est vrai que ça fait très moyen, enfin l'époque du cowboy d'ailleurs, au passage l'époque du cowboy, donc c'est au 20e siècle, soit en 1911, enfin la fin de l'époque du cowboy, en 1911 plus exactement. Donc si c'est une suite par exemple Red Dead Redemption 2, on devrait se retrouver peut-être en 1915 1920, à laquelle, bah, on a un peu les tout premiers avions. Attention hein, c'est vraiment des choses basiques, pour moi c'est plus des parapentes hein, c'est vraiment, il n'y a pas de moteur, enfin, ou alors s'il y en a c'est vraiment très léger, un peu comme les voitures, à laquelle, enfin je sais même pas si on devrait appeler ça une voiture, on devrait plutôt appeler ça une sorte de chariot avec une sorte de petit moteur bien pourrave, ou alors par contre une sorte de train aussi, enfin il y avait aussi des trains avec, vous savez, avec le charbon tout ça, vraiment le truc, ça peut être pas mal. Mais attention bien sûr, pas des trucs overdosés cheatés, c'est à dire voilà, des véhicules finalement abusés qui vont vraiment détruire un peu le jeu, c'est à dire qu'on est vraiment dans un principe Red Dead Redemption à laquelle, eh bien on est à l'époque du cowboy, donc on veut pas se retrouver avec des armes trop futuristes, enfin à cette époque là, comparé à cette époque au premier volet qui est Red Dead Redemption 2, enfin Red Dead Redemption, excusez-moi, parce que je pensais à Revolver aussi qui était dedans, mais ça remonte d'ailleurs il y a pas mal de temps. Donc en gros il y aura une sorte, à mon avis, parce qu'on retrouve par exemple ce véhicule là
Enfin, ce véhicule, ouais. À la fin donc du jeu, donc Red Dead Redemption, et à laquelle, bah voilà, on le retrouve là, et c'est vrai que ça peut nous faire penser, bah, quelque part, que Rockstar nous font un petit clin d'œil, ils sont en train de nous proposer, pourquoi pas, éventuellement, enfin, en tout cas, voilà, on est en train de réfléchir à propos de ça. Ils ont fait une petite animation, le mec, il vole avec, d'ailleurs, au passage, et à laquelle, bah voilà, bon, il s'écrase comme une merde, mais c'est top, c'est pas ça vraiment la chose la plus importante, c'est en tout cas le fait de voir l'objet, en tout cas, c'est existant dans Red Dead Redemption, mais on ne peut pas l'utiliser. Donc, est-ce que finalement, dans Red Dead Redemption 2, on pourra utiliser ces véhicules-là, en espérant qu'ils soient de courte portée? Je sais pas si ça se dit pour un véhicule, c'est-à-dire en gros que, bah voilà, avec cette parapente, enfin en tout cas avec ce véhicule, on va pas aller super loin, quoi, faut négliger un peu, voilà, sa puissance. Mais en tout cas, à mon avis, ça peut vraiment pimenter le jeu. Voilà, ça peut vraiment être une super bonne chose, bah si Rockstar fasse ce genre de choses. Franchement, ça peut être une très bonne idée. Mais après, une version 3, c'est Red Dead Redemption 3, à mon avis, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de suite, ça sera vraiment là la finalisation, une sorte finalement de 1.5 de Red Dead Redemption, à laquelle on aura vraiment des choses en plus, parce que c'est difficile, c'est compliqué de faire une suite, sachant que le premier opus, bah, il était vraiment splendide, enfin, le deuxième opus plutôt, était vraiment splendide. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment le jeu lui-même qui plaisait énormément aux gens. Voilà, donc merci à vous tous les gens, merci de me dire, franchement, la chose la plus importante, de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page personnel. Merci à vous tous les gens, puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, peace out.